Moi, j'ai une vision de c'est une masterclass du coach. Le lendemain, quand on a perdu 4-0, et là, tout le monde y croyait, mais à 3 milliards de pourcents sur le banc et dans le stade, dans le vestiaire. Donc, on perd 4-0 à Paris. Paris fait un match extraordinaire. Le lendemain, dans le vestiaire, il nous fait une causerie, il nous dit, bon, les gars, on a perdu 4-0. OK, ils ont bien joué, on n'était pas dedans. Il dit, Andrés Iniesta, t'as déjà gagné 5-0. Je lui dis, ouais. Léo, t'as déjà mis 5 buts dans un match. Je lui dis, ouais. Bah alors on va le faire. Une infime chance, mais il faut qu'on la saisisse. Si tout se goupille bien et que vous faites les choses correctement, on va gagner. Et au final, Et alors que vous, après peut-être ça, vous êtes reparti. t'es reparti. Au final, tu te dis, mais c'est vrai, avec les trois extraterrestres de devant, tu sais que tout peut arriver et qu'ils sont capables de mettre 5 buts. Après, bien sûr, tu te dis, ouais, c'est compliqué. Mais au final, quand le match démarre et que tu marques au bout de 10 minutes, il y a 1-0, dans le stade, dans le vestiaire, tout ça, c'était le feu. Tout le monde y croyait. Il a réussi à allumer une flamme que je pense que personne ne pouvait imaginer.